Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage un peu d'informations sur mes entraînements du haut du corps parce que suite à la dernière vidéo qui a été vue environ 0 fois, vous m'avez demandé de faire exactement la même chose pour le haut. C'est chose faite, je vous ai enregistré cette semaine les 3 entraînements avec un focus bien sûr sur les pectoraux, sur les épaules et sur le grand dorsal, mais on va rentrer là-dedans plus précisément maintenant. Même chose que pour le bas du corps, il ne s'agit pas de faire forcément plus parce que quand vous entendez 3 fois par semaine, vous pensez directement au surentraînement ou à un volume complètement stupide. C'est peut-être vrai. Mais en tout cas, j'ai essayé de calibrer mon volume en fonction de ma récupération pour pouvoir progresser et donc prendre du mieux. Donc je le répète, il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire suffisamment. Avant de lancer ces séances, on va parler du nombre de répétitions parce que en théorie, absolument tout marche, que vous faites 3 ou 28, absolument tout marche. Mais en pratique, la fourchette de répétition 6-15 est la plus adaptée, sachant que monter au-dessus ou être en dessous va vous demander beaucoup trop de récupération. Et dans la vie réelle, ben, on reste pas 5 heures à la salle de sport. Donc, du coup, vraiment, entre 6 et 15 me permet de rentabiliser un maximum le temps que je passe dans la salle et bien sûr continuer à progresser. Donc cette première séance de la semaine réalisée un lundi, comme vous l'avez deviné, c'est les pectoraux. J'ai un focus sur les pectoraux dans cette séance. C'est pas malin d'aller faire les pectoraux le lundi, mais bon, quand ça tombe là-dessus, on n'y peut absolument rien. Vous allez voir également du travail de l'arrière d'épaule et du haut du dos. On y va maintenant. Pour cette deuxième séance, je vais maintenant m'intéresser principalement à l'épaule. Donc vous l'avez vu, il y a déjà eu pas mal de travail d'épaule dans ma dernière session. On peut se permettre de faire un peu plus de volume sur l'épaule que sur les autres muscles parce que déjà premièrement, il y a pas mal de faisceaux et en plus, on les travaille majoritairement sur de l'isolation. Donc le stress est pas si grand que ça et donc la récupération n'est pas énorme non plus. Deuxième séance de la semaine, focus épaule, on y va.
Allez, pour cette troisième séance, cette fois vous l'avez deviné, il nous reste le dos, un focus sur le dos, qu'un seul mouvement de pectoraux, parce que j'ai réalisé qu'en faire un deuxième sur cette séance, c'est du fluff. Je n'arrive plus à progresser, mais les pectoraux ne peuvent encaisser qu'un seul exercice, que trois séries sur celui-là, et je peux continuer à chercher la progression sur cet exercice, mais absolument pas le deuxième. Vous allez voir à nouveau du deltoïde latéral, je vous en ai parlé précédemment. Je peux refaire exactement le même exercice que la séance précédente. J'ai choisi, en l'occurrence là, de changer la fourchette de répétition. On y va. Voilà, vous avez mes trois séances du haut du corps de la semaine. Il faut savoir que je ne fais pas tout le temps la même chose. Je change par moment les résistants. Je garde principalement les mêmes angles. Mais c'est vrai que, par exemple, pour cette séance, vous n'avez pas vu de développé couché haltère. Et je vous les ai fait sur machine parce que c'était juste plus esthétique. J'avais déjà plus de place, il y avait moins de monde. Mon programme est adaptable à la salle, bien sûr, au monde qu'il y a. Parce que la théorie, ce qu'il y a sur le papier, c'est bien beau, mais la vie réelle, c'est parfois différent. Si jamais vous vous demandez quels sont ces t-shirts extraordinaires, magnifiques, qui fit parfait dans cette vidéo, ce sont les t-shirts de ma ligne, ils sont disponibles dans le premier lien de la vidéo. Et un petit conseil, si vous portez du médium, dépêchez-vous, parce qu'il y a presque plus de médium. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, n'oubliez pas de déposer un like si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner parce que je suis pas prêt d'arrêter les vidéos. Et également, si vous voulez du contenu exclusif, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.